les podcasts de France Bleu Gironde. À votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Bon, on a refermé le dossier pigeon en centre-ville. Et comme chaque mercredi sur France Bleu Gironde, vos questions avec la chambre des notaires de la Gironde, les notaires qui sont là évidemment pour vous conseiller dans les grandes étapes de votre existence, le choix d'un régime matrimonial, vous allez peut-être vous paxer, vous marier, l'achat d'une maison, d'un appartement, la vente ensuite d'un bien immobilier, l'optimisation également de votre fiscalité, et puis les successions, les testaments, les ventes en viager, vos questions ce matin avec notre experte. Bonjour maître Karine Crégaro. Bonjour Nicolas Fauveau. Notaire à Parampuire et qui est là pour vous répondre et vous conseiller en direct jusqu'à 10h. Avec plaisir. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Beaucoup de questions via les réseaux sociaux. Dans un instant, on parlera de donation partage avec Louise Aézine, de donation résiduelle avec Richard Abordeaux, mais on va prendre un premier appel. Vous n'hésitez pas à vous décrocher le téléphone. Question au notaire ce matin. Et maître Crégaro, notaire à Parampuire, qui est là pour vous répondre. Bonjour Malvina, vous êtes à Grignols. Et on vous écoute. Bonjour. Parlez bien près du téléphone et coupez le haut-parleur si vous avez le haut-parleur allumé pour mieux vous entendre dans la radio. Bonjour Malvina. Oui, bonjour. Bonjour. Alors du coup, moi c'est, je sais pas si exactement ça, j'ai écouté le début, je sais pas trop si ça convient. Donc moi je suis dans un logement social. Oui. Et en fait depuis le mois de fin octobre maintenant, je n'ai plus d'eau chaude en fait et je n'avais plus de chauffage. Le bailleur était au courant vu que quand je dois faire appel à aux professionnels qui sont désignés, en fait, ils font à chaque fois des rapports. Quand vous dites les professionnels, en fait, c'est ceux qui doivent venir faire les réparations. C'est qui votre bailleur social aujourd'hui? C'est ce que j'allais poser comme question. Il faudrait vous rapprocher de votre bailleur social. Oui, oui, mais c'est fait. Mais eux, ils me disent qu'il faut voir avec le service qui intervient. Et le service qui intervient me dit qu'il faut voir avec le bailleur. Voilà, que eux, ils attendent des réponses du bailleur pour. Quand vous dites le service qui intervient, ce sont les gens qui vont faire les réparations pour vous redonner de l'eau chaude, rallumer la chaudière et faire en sorte que tout marche. C'est le service qui est désigné pour Gironde Habitat, en fait. On ne peut pas faire appel à quelqu'un d'autre. D'accord. Maître Crégaro, un bailleur social, il a les mêmes obligations qu'un propriétaire de logement vis-à-vis du locataire? Un bailleur social reste un bailleur? Et il doit respecter ses obligations, donc il doit mettre à disposition des logements décents et notamment des logements qui disposent d'eau chaude. Donc effectivement, si Malvina n'a pas d'eau chaude, il faut qu'elle insiste pour qu'il vienne réparer et que vous soyez en mesure de pouvoir effectivement avoir un logement décent avec de l'eau chaude, puisque votre loyer est une contrepartie de ses prestations. Comment vous avez effectué les démarches auprès du bailleur? Vous avez passé un coup de fil ou est-ce que vous êtes allé un peu plus loin? On est allé en présentiel lundi dernier maintenant, vu qu'il n'y avait rien qui bougeait. En fait, on a une application où on doit déclarer quand on a des problèmes. Le bail est un contrat, hein. Donc le bail est un contrat. Le bailleur a des obligations, des droits et des obligations. Le locataire a aussi des droits et des obligations. Donc effectivement, il faudrait envoyer au moins un minima, un courrier recommandé peut-être à votre bailleur social pour prendre date. Et puis examiner attentivement les clauses de votre bail pour savoir quelles sont les possibilités pour vous concernant le paiement des loyers. Il y a des locataires qui sont tentés d'arrêter de payer leur loyer, ça c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée, il faut toujours payer son loyer. Et malheureusement, ensuite, je souhaite que vous n'en arrivez pas là, mais ce sera une procédure judiciaire contre votre bailleur social. Voilà, Malvina, courage à Grignols, c'est de tout cœur avec vous, en espérant que ce problème, ces petits problèmes qui finalement deviennent des gros emmerdes, pour parler gentiment, se règlent rapidement. Merci Malvina pour votre appel en direct ce matin sur France Bleu Gironde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Gros chapitre également lié aux donations avec le message sur Facebook de Louise Aézine. Louise qui nous dit: maître, mon père a fait en 2018 une donation partage à mes deux sœurs et à moi. Je vous résume le mail qui était assez long de Louise. Louise qui nous dit: mon père est décédé en novembre 2023, l'année dernière. Les biens donnés
ont aujourd'hui des valeurs différentes. Et Louise nous dit, si l'une de mes sœurs décide de vendre l'appartement qu'elle a reçu, est-ce que je peux lui réclamer une compensation? Alors, c'est une donation partage, est-ce que ça fiche tout? Est-ce que ça peut évoluer avec le temps? Alors, le principe d'une donation partage, c'est justement de figer les valeurs pour éviter que les héritiers aient des comptes à faire au moment du décès du donateur. Donc, sauf clause très particulière ou clause contraire, le principe même de la donation partage, c'est vraiment d'établir des lots et d'équilibrer ces lots. Donc, on part sur une photo à l'instant. Exactement, on fait une photographie au moment de la donation partage et on évalue les biens et on attribue à chacun un bien et les valeurs sont par principe figées au moment de la donation partage. Alors sauf à démontrer qu'éventuellement il y a eu une problématique dans les évaluations au moment de la donation partage, il n'est pas possible de demander à son frère ou à sa sœur une compensation pour les biens donnés. Par contre, sur le principe de la vente, il faut regarder dans l'acte de donation partage s'il a bien été prévu ce qu'on appelle le consentement à aliénation. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire que il faut demander par principe l'autorisation aux frères et sœurs pour vendre. D'accord. Mais il est possible d'anticiper cet accord dès la signature de la donation partage pour que chacun puisse être libre au moment de la vente des biens après le décès du parent. Bon, en tout cas pour Louise, réponse négative, elle ne peut pas réclamer une compensation financière si l'une de ses sœurs décide de vendre l'appartement qu'elle a reçu. Et puis on va rester sur les donations. Richard à Bordeaux qui nous dit « Bonjour maître, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste une donation résiduelle ?» Alors une donation résiduelle, c'est vrai que c'est un... C'est un terme qu'on emploie peu au quotidien. Donation résiduelle. C'est une donation. En fait, c'est les donations graduelles et résiduelles. C'est une donation qui permet de donner à un enfant et au décès de cet enfant que le bien aille à son frère ou à sa sœur. En fait, ce sont des dispositifs qu'on utilise souvent lorsqu'on est face à un enfant qui, par exemple, un enfant handicapé, qui a peut-être une espérance de vie un peu moins élevée que celle de ses frères et sœurs, de donner ce bien à cet enfant-là et ensuite, au décès de cet enfant, le bien est transmis aux autres frères et sœurs. Donc c'est des techniques qui sont peu usitées mais qui peuvent être très utiles dans certains cas. Donc là, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son notaire. Et prendre un rendez-vous. On rappelle que les conseils chez les notaires sont gratuits et ils sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous répondre. Dans un instant, Jean-Louis Acoutra, Aline Alateste et puis vos appels, vous décrochez le téléphone si vous avez des questions à poser à notre notaire ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. 9h-10h. Question au notaire ce matin avec maître Karine Crégueiro, notaire à Parampuire, qui est là pour vous conseiller en direct sur France Bleu Gironde. Priorité à vos appels, Laurent est à Bordeaux. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Nicolas. Bienvenue, bonjour, on vous écoute avec maître Crégueiro. Oui, j'ai mon papa là, qui souhaite nous faire une donation à moi et ma sœur. Il vient d'avoir 90 ans, je voulais savoir s'il avait encore la possibilité de faire une donation à cet âge-là. Alors, on peut effectivement, votre papa peut réaliser une donation à tout âge. L'âge n'est pas un élément bloquant pour donner. La question, quel est le type de bien surtout qu'il souhaite vous donner? Est-ce que c'est un bien immobilier ou est-ce que c'est une somme d'argent? C'est une somme d'argent qu'il a sur ses comptes d'épargne. Voilà. Donc il peut tout à fait vous donner cette somme d'argent à vous et à votre sœur. La seule particularité, c'est comme il a plus de 80 ans, il y a un abattement fiscal dont vous ne pouvez plus bénéficier. Mais la donation est tout à fait possible. D'accord. Donc en cas, quand je vais déclarer cette somme aux impôts, je vais avoir un abattement, c'est ça ? Voilà. Vous allez pouvoir utiliser votre abattement général de 100 000 euros à condition que vous n'ayez pas déjà bénéficié d'une donation au cours des 15 dernières années. Ah, c'est 15 dernières années. Oui, d'accord. Tout à fait. D'accord, ok. Si on a déjà eu une donation, ça ne marchera pas. Alors, tout dépend du montant de la donation que vous avez reçue. S'il vous reste ou pas de l'abattement. Si on vous a donné déjà plus de 100 000 euros au cours des 15 dernières années, d'accord. Aujourd'hui, vous n'aurez plus d'abattement fiscal. D'accord. Imaginons qu'il y a 10 ans, il nous ait donné 50 000, on aura le droit encore à 50 000. Exactement, tout à fait. D'accord. Ok, maître, très bien. Nicolas, est-ce que je peux poser une question rapidement à maître ? Bien sûr, Laurent. J'ai avec mon conjoint paxé, on doit acquérir un bien immobilier. Lui va faire un prêt de son côté, moi je vais apporter une partie de mon épargne. Que du coup chez le notaire, je dois le mettre sur l'acte de vente. Alors,
il est effectivement recommandé de déterminer ce que l'on appelle les quotités d'acquisition et de déterminer mathématiquement les apports de chacun et qui remboursera l'emprunt et dans quelle quotité. Donc vraiment déterminer le plus précisément possible les quotités d'acquisition au moment de l'achat et envisager d'ores et déjà la question du partage au moment soit de la vente du bien, soit de la séparation du couple. Et Laurent, je vous donne juste un tuyau de plus, puisque demain, entre 9h30 et 10h, on fait une spéciale émission sur les assurances crédit, justement, et ça concerne les crédits immobiliers. On sera avec Julien Fourne, qui est assureur Alliance, qui est notre expert à Bordeaux. Si vous avez des questions sur les assurances emprunteurs, il sera là pour vous répondre, Laurent. Okay, et surtout, n'hésitez pas à contacter votre notaire pour justement anticiper l'établissement de ces quotités d'acquisition pour ne pas être pris au dépourvu à la dernière minute au moment du rendez-vous. Bon. Échanger vraiment en amont pour apaiser et sécuriser l'acquisition. Merci Laurent, bonne journée à Bordeaux. Merci, bonne journée Nicolas. À bientôt. Au revoir. France Bleu Gironde, à votre service. Juste une question, maître, avant de prendre un nouvel appel, on va demander à Béatrice de Salles de patienter. En écoutant la question de Laurent, je réfléchissais en même temps, 90 ans pour donner, c'est un peu tard finalement. Vous conseillez, à quel âge il faut commencer à s'intéresser pour que fiscalement on puisse faire des économies sensibles? Alors, je pense que le bon âge, c'est dès que les parents donateurs, parce que c'est le cas le plus courant, que les parents donateurs sont à la retraite et qu'ils ont donc vraiment une visibilité sur leur pension de retraite, sur leur stabilité économique, sur leur patrimoine. Voilà, entre 60 et j'ai envie de dire entre 60 et 70 ans. Sachant à s'y intéresser à 60 ans. Voilà, il faudrait commencer à se poser les questions, aller rencontrer son notaire, faire un audit de son patrimoine, se poser les questions, est-ce qu'il y a un avantage, un inconvénient, qu'est-ce qui est possible de faire pour pouvoir être prêt le plus tôt possible à transmettre. Et on précise, quand on donne, c'est pas forcément donner de l'argent, je peux donner demain, alors moi j'ai 3 enfants, je peux décider de leur donner demain une part de la maison qu'on occupe avec la famille, c'est possible? On peut tout à fait donner la résidence principale du couple. Après, il faut vraiment... Une partie de la résidence principale. On peut donner aussi également des droits indivis, on peut donner des droits démembrés, on peut donner... Tout est envisageable. La question, c'est est-ce que c'est opportun et quels sont les avantages et inconvénients? C'est-à-dire qu'à chaque famille, chaque situation doit faire l'objet d'une analyse précise. On peut pas vous faire une réponse générique, puisque c'est vraiment... Des cas particuliers. Des cas particuliers, il faut vraiment aller rencontrer votre notaire, poser les questions et voir s'il est opportun ou pas de réaliser ces donations et quel en sera le coût et voilà les avantages et inconvénients. Bon, dès 60 ans, posez-vous ces questions. Oui. Ça peut vous permettre d'économiser quelques milliers d'euros, voire de cette façon, même si ce sont des questions qui sont difficiles à aborder. Hein. Tout à fait. Ce vieillissement et cette arrivée visiblement donc vers une retraite et puis sur la transmission de ce patrimoine qui annonce également notre prochain départ. Voilà, donc plein de questions qui se superposent. Exactement, puisque la transmission, elle ne se fait pas que pour des raisons fiscales, elle se fait aussi pour des raisons de transmission aux enfants et d'anticipation de la succession, anticipation des conséquences, que va-t-il se passer après mon décès? Il n'y a pas que les conséquences fiscales, il y a aussi les relations entre les héritiers. Toutes les conséquences sur la famille, oui. Effectivement. Puisqu'on parle de conséquences sur les héritiers, bonjour Béatrice Assal. Bonjour Nicolas et bonjour Maître. Bonjour Béatrice. On vous écoute avec Maître Karine Kregero. Quelles questions vous souhaitiez nous poser, Béatrice? Alors voilà, j'ai 3 enfants et je vais acheter une maison. Donc j'aimerais favoriser un de mes enfants davantage parce que déjà elle est proche de moi, elle s'occupe énormément de moi par rapport aux autres. Donc ma question c'est comment puis-je faire? Est-ce que légalement, on peut avantager l'un de ses enfants au détriment des deux autres? Alors, légalement, on peut avantager un de ses enfants dans la limite de ce que l'on appelle dans notre vocabulaire la quotité disponible. Donc là, Béatrice, si j'ai bien compris, vous avez 3 enfants. Oui. Donc cette quotité dite disponible, elle est du tiers. Voilà. Je vous dis une bêtise, elle est du quart. Elle est du quart, donc vous pourriez avantager un de vos enfants à hauteur du quart. Bon, j'ai 100, je peux lui donner 25 de plus qu'aux autres. Voilà, okay. Un quart. D'accord. Voilà. Les 3 autres quarts devant être répartis entre les enfants. La question, est-ce que on doit... Vos enfants, Béatrice, ils sont majeurs tous? Oui.
Et une autre question. Alors, attendez, Béatrice, que moi j'avais une question à vous poser là-dessus pour compléter, parce que c'est quand même une démarche qui est pas évidente. On parlait justement de relations familiales. La décision que vous prenez, elle peut avoir des incidences sur les rapports que vos enfants vont avoir avec vous, mais également entre eux. Est-ce que la question que je voulais poser à Maître Kregero, est-ce qu'on doit informer les autres membres de la fratrie que l'un des enfants va être avantagé par rapport aux deux autres qui seront défavorisés? Alors, il n'y a pas d'obligation légale d'informer les autres enfants qu'un d'eux va être avantagé. Après, dans le cadre de la paix des familles, il est quand même mieux que ça s'inscrive dans un pacte de famille et que les enfants non avantagés ne découvrent pas la situation au moment du décès du parent, puisque effectivement, ça peut créer un vrai conflit au moment du règlement de la succession du parent décédé. Oui, donc en discuter, comprendre les raisons pour lesquelles on prend cette mesure. Exactement. La faire accepter. Exactement. Le mieux, c'est toujours que ça reste dans le cadre d'un pacte de famille, et idéalement qu'il soit accepté par tous. Béatrice, vous aviez une autre question à poser, un complément. Ben voilà, mon autre question, c'est que j'ai trois petits-enfants. Oui. Est-ce que je peux aussi, pareil, en avantager un plus que les autres ? Alors, vous pouvez toujours avantager un enfant ou un petit enfant plus que les autres, la limite étant toujours cette fameuse quotité disponible. Quotité disponible qui va finalement dépendre du nombre d'enfants que vous avez. Voilà. Donc c'est toujours possible d'avantager. La question, c'est quelles sont les conséquences de cet avantage et quelles vont être les conséquences de l'avantage procuré sur les autres membres de la famille au moment de votre décès. Donc là, il faut vraiment que vous alliez voir un notaire à côté, enfin, votre notaire, pour qu'il puisse vous expliquer et poser avec vous, peut-être de manière chiffré, pour que vous puissiez vous rendre compte des conséquences que ça peut avoir sur les héritiers après votre décès. C'est-à-dire que ça peut vraiment créer des comptes comptables entre eux et celui que vous avez avantagé peut peut-être se retrouver dans une situation difficile et devoir indemniser les autres parce qu'au final, il a reçu plus que ce que l'on appelle sa réserve héréditaire. Donc là, il faut vraiment, avant d'avantager un enfant, il faut vraiment que vous puissiez aller voir votre notaire et poser toutes les bonnes questions et anticiper au maximum les conséquences futures. D'accord, Béatrice. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nicolas, merci Maître. C'est nous qui vous remercions. Merci Béatrice, à votre service avec les notaires chaque mercredi. Et toute dernière chose, l'un des enfants donc avantagé par Béatrice, imaginons le jour de l'ouverture du testament, est-ce qu'il peut refuser cet avantage? Non, je trouve ça injuste et je préfère que l'héritage soit partagé en trois parts égales. On peut toujours renoncer à un testament comme on peut toujours renoncer à une succession. Donc c'est possible qu'en plus, en fonction de des modalités de l'avantage, si c'est un avantage par testament qui ne soit pas efficace, c'est que les volontés du défunt finalement ne soient pas respectées comme il l'aurait souhaité. Bien, rapprochez-vous de votre notaire dans tous ces toujours. Cas de figure et tout au long de la vie, effectivement, avec les questions, elles sont nombreuses et variées. Merci beaucoup Maître Karine Kregero, notaire à Parampuire, qui est venue représenter la Chambre des notaires et qui sera de retour mercredi prochain. Merci Maître, bonne semaine, merci. À bientôt. Merci, bonne journée. À votre service à la radio sur France Bleu Gironde, du lundi au vendredi de 9h à 10h.